le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, je vous tourne une petite sélection Zara. Donc, je vais vous donner la référence de certains articles que j'ai en vue, enfin que j'ai dans mes favoris, que j'ai dans mes articles enregistrés sur Zara. Enfin, pour vous donner plein d'idées à des prix un peu variés, au plus bas ou un peu cher quand même, tout ça. Et enfin, vous donner surtout des idées si vous savez pas trop, enfin, si vous n'arrivez pas trop à chercher sur Zara, parce qu'il y en a plein qui m'envoient des messages. Est-ce que tu peux faire des sélections Zara, tout ça, parce que moi quand je regarde sur le site je trouve rien. Donc aujourd'hui je vais vous donner les références de plein d'articles assez sympas à trouver en ce moment sur le site. Donc voilà, j'espère que ce petit genre de vidéo va vous plaire. Et dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça, si vous voulez d'autres sélections, que ce soit PLT, Misguided, Bershka, enfin bref, Asos, plein de petits trucs comme ça. Petite parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que je vous mets juste ici. Je suis de plus en plus active sur les réseaux, je vous poste des photos outfit, des photos déco, je vous fais des petites stories parce que j'emménage bientôt avec mon chéri. Donc du coup, je vous fais plein de petites stories sur la déco, plein de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le genre de contenu que je propose, vous plaît. Du coup voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo, on se retrouve juste après l'intro. Donc juste avant de commencer la vidéo, je vais vous parler de mes éponges démaquillantes qui ont complètement changé ma skincare routine. Donc sur Instagram, je vous avais fait un petit sondage si vous voulez savoir le produit qui avait complètement changé ma skincare routine. Et vous avez été vraiment nombreux à me dire oui. Donc je pense que ça vous intéresse vraiment de savoir quel est ce produit. Et notamment vous le présenter, enfin vous montrer ce que j'utilise, tout ça. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé de trouver une alternative au coton démaquillant. Parce que déjà, c'est pas très économique, c'est polluant pour la planète, tout ça. Et j'avais vraiment envie de trouver quelque chose d'autre, très bon pour la peau, tout ça. J'ai déjà essayé les disques démaquillants classiques, réutilisables, et franchement, je les trouvais pas ouf. J'ai pas trop aimé, je trouvais que ça nettoyait pas en profondeur la peau, tout ça. Il y a quelques temps, j'ai testé les éponges de la marque Clean Sponge, et franchement, je vous jure, c'est un produit miraculeux. Maintenant, je n'utilise que ça. Vraiment, je n'utilise que ces éponges, elles sont trop trop bien. Je les utilise tous les jours pour me démaquiller tout le temps. Et vraiment, ça nettoie super bien la peau en profondeur, ça enlève super bien le maquillage, il reste rien. Et en plus, ça s'utilise vraiment, vous les humidifiez, vous nettoyez votre visage en profondeur. Il n'y a pas besoin de démaquillant, hein, il n'y a pas besoin de micellaire, il n'y a pas besoin de lait pour le visage, tout ça. Enfin vraiment, il n'y a besoin de rien d'autre à part les mouiller et vous nettoyer le visage. Après, bien sûr, les filles, c'est super important de bien vous démaquiller. Vraiment, c'est super important. Peu importe ce que vous pouvez utiliser, le démaquillage, c'est super important. Donc, peu importe ce que vous pouvez utiliser, mais après, nettoyez-vous bien le visage, mettez de la crème hydratante, de la crème de nuit, tout ça, c'est super important. Déjà, regardez le petit packaging que la marque m'a offert quand j'ai reçu les produits. Il est trop mignon, donc déjà voilà la petite photo comme ça. Du coup voilà, avec la marque, la Clean Sponge, tout ça. Les petites photos, franchement ça m'a trop touchée, j'ai trop aimé quand j'ai reçu tout ça. C'était trop mignon, trop. J'étais trop contente. Donc là, à l'intérieur de la petite boîte, il y avait 4 éponges. Donc 4 éponges démaquillantes. Donc du coup moi il y en a 2 qui sont dans la salle de bain parce que je les utilise déjà, donc voilà. Donc je vous en montrerai que 2. Là c'est des éponges en microfibre qui fonctionnent vraiment que avec de l'eau. Donc vous les mouillez et vous nettoyez en profondeur le visage jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Et vraiment c'est super doux, c'est trop, franchement c'est trop mignon, j'aime trop ce genre d'éponge. En plus c'est vraiment bon pour la peau, enfin, il n'y a pas de produits chimiques tout ça. Donc là il faut savoir que sur leur site vous avez 4 éponges, 4 couleurs différentes, noir, blanc, rose et marron. Et chaque éponge a son type de, enfin, et pour tout type de maquillage, enfin pour différents types de maquillage, je vais vous expliquer. Déjà, il y a 3 types d'éponges, donc la blanche pour le make-up léger, la rose pour le make-up moyen, et la marron et la noire pour les make-up très chargés, les make-up de soirée, tout ça. Donc voilà, donc déjà c'est bien parce que chaque éponge est faite différemment, n'a pas les mêmes caractéristiques entre guillemets. Donc du coup voilà, je vais vous expliquer un peu les avantages de ces éponges. Elles sont réutilisables plus de 300 fois, donc déjà c'est beaucoup d'économies et c'est écologique pour la planète. Donc du coup voilà, ça permet de ne pas gaspiller des cotons, enfin voilà, ça, utiliser des cotons, tout ça, ça pollue grave la planète, donc c'est dommage. J'utilise uniquement avec de l'eau, donc pas de produits chimiques sur la peau, rien du tout, donc c'est ça qui est top aussi, c'est pour ça que je vous les conseille vraiment. Donc déjà il faut savoir qu'elles sont faites pour tout type de peau, même les plus sensibles, car elles sont faites à base de microfibres, donc c'est pour ça, donc c'est bon à savoir. Donc même ceux qui ont les peaux les plus sensibles, vous pouvez les utiliser. Et même c'est très bon pour le visage. Donc du coup voilà. Franchement, moi je les kiffe, ces éponges, je les utilise tout le temps. Si vous voulez avoir la même routine que moi ou utiliser les mêmes produits que moi, je vous conseille vraiment les éponges de la marque La Clean Sponge. Si vous avez moins de 10% avec mon code Julia10 sur tout le site. Donc voilà, franchement c'est une belle offre. Et en plus les éponges elles sont ouf, elles sont top. N'hésitez pas à commander si vous voulez la même routine que moi. Bisous bisous. Du coup ce qu'on va faire, c'est que j'ai marqué toutes les références.
et les noms de chaque article sur une feuille. Je vais vous y dire, je m'en rappelle à peu près des articles que j'ai écrits. Donc du coup, je vous mettrai une photo à chaque fois de l'article dont je vous parle. Et voilà, je vous donnerai la référence à chaque fois. Je vous la mettrai juste ici, l'article et la référence. Donc comme ça sera plus simple pour vous. Donc du coup, on va commencer avec le premier article. Donc c'est un short en jean. Il est trop beau. Donc franchement, ça c'est un basique à avoir chez Zara. Puis franchement, je crois qu'il est pas très cher. Je crois qu'il est à 19,99€, je sais plus, je vous mettrai la photo avec le prix de toute façon. Mais c'est un basique à avoir chez Zara, enfin les shorts, en plus il est taille haute comme ça. Franchement c'est un basique à avoir, avec un petit short, même juste si vous mettez un t-shirt basique l'été, c'est grave simple et tout, une petite paire d'Air Force et tout. Enfin, franchement ça fait l'affaire, ou alors avec des petits hauts, tout ça, donc un short en jean c'est vraiment la base. Vous pouvez même le mettre avec des beaux hauts classe, tout ça. Donc moi les shorts en jean je kiffe, vraiment je kiffe. Donc celui-ci, la référence, c'est 80-23-069 que je vous mets juste ici. Et franchement, moi, je vous le conseille grave parce que c'est vraiment un basique. Donc ensuite, deuxième article, c'est aussi un short en jean. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment des basiques à avoir. Que ce soit couleur bleu jean ou couleur noire, c'est vraiment un basique à avoir. Quand c'est noir, c'est pareil, vous pouvez y mettre avec un t-shirt blanc, oversize et tout simple. Ou vous pouvez mettre avec des beaux hauts classe blancs l'été et tout, ça pète. Franchement, c'est grave beau. Du coup, la référence de celui-ci, c'est 43-65-012 que je vous mets juste ici. Et franchement même les prix tout ça c'est raisonnable, enfin grave raisonnable pour un short en jean. Je vous les conseille parce que moi j'en ai un en plus, il est magnifique de chez Zara et qu'ils n'ont pas refait depuis 2 ans je crois, et franchement je ne le regrette pas du tout parce qu'il est magnifique. Donc si jamais vous avez un coup de cœur, prenez-le maintenant parce qu'après voilà il y sera plus et tout. Donc ensuite troisième article, c'est un blazer à boutonnage. Donc c'est un blazer magnifique, couleur crème, vraiment la couleur elle est crème, elle est beige, franchement il est magnifique, beige clair couleur crème. Et il est magnifique avec les boutons, tout ça, la coupe, comment elle est faite. Après, il a l'air d'être un peu cintré. Donc, prenez une taille au-dessus si vous le voulez. Parce que, genre, si vous êtes comme moi, prenez pas XS, prenez une taille S pour qu'il soit un peu plus large et tout. Qu'il ait une belle coupe. Et franchement, la couleur, elle est magnifique. Le prix, après, il est assez élevé, mais c'est les prix de tous les blazers chez Zara. Donc, faut pas être étonné, quoi. Parce que c'est les prix. Bon, il est magnifique. Vraiment il est trop beau, ça avec un beau jean mom et tout, un petit haut et tout, un blazer ça fait l'affaire, c'est classe, c'est élégant, c'est tout en fait. Et puis même moi j'aime trop mettre un blazer avec un jogging et tout, enfin j'aime trop. Je sais que ça plaît pas à tout le monde mais moi je kiffe, franchement c'est une trop bonne dégaine, j'aime trop. Du coup voilà, donc celui-ci la référence est 3060-628 que je vous mets juste ici. Ensuite quatrième article, c'est une chemise oversize longue en lin, enfin juste la matière lin l'été, ça fait tout. C'est magnifique. Après elle est assez longue mais pour aller à la plage et tout, je trouve ça fait grave beau et tout, ça fait grave, je sais pas, j'aime trop. Et pour aller à la plage, pour mettre l'été et tout, elle est grave belle je trouve. Donc voilà, en plus le prix c'est pour une chemise, c'est voilà, c'est pour une chemise en lin, c'est le prix. Du coup voilà, la référence c'est 47-86-069 que je vous mets juste ici. Et franchement, je trouve qu'elle est grave belle, elle est surtout la matière lin, comment j'aime trop franchement, magnifique pour l'été et tout. Donc du coup voilà. Ensuite, cinquième article, je vais vous montrer deux pantalons, deux couleurs différentes. Donc c'est un pantalon de taille haute que je pense qu'on a tous eu, qu'on a en beige, en marron, il existe en noir, il existe de toutes les couleurs. Et ils l'ont fait en bleu ciel, vraiment genre bleu ciel mais très clair, bleu pastel, genre vraiment très beau. Et j'ai vraiment envie de me le prendre celui-ci. Donc franchement, je pense que tout le monde l'a celui-ci en beige ou en noir et tout. Il taille trop bien, il est taille haute, il fait des belles formes, avec un beau haut l'été, un beau haut blanc et tout, franchement grave beau. Et franchement c'est un basique, c'est devenu un basique chez Zara, donc voilà. Mais là en bleu, je trouve c'est grave différent des couleurs de d'habitude. Et l'été avec un beau haut blanc et tout, ça peut grave faire l'affaire, franchement magnifique. Du coup je vous donne la référence, c'est 99-29-032, donc voilà. Ensuite c'est le même mais en blanc. En blanc ça fait toujours quelque chose de plus, genre avec un beau haut blanc, ça fait tout de suite classe. Avec une belle paire de chaussures, une belle paire à talons transparents l'été. Franchement, je kiffe. Il est taille haute, il est blanc, vraiment blanc pétant. Il est magnifique ce pantalon. Moi, je l'ai déjà. Donc voilà, mais je vous donne la référence. C'est 99-29-032, c'est la même. Mais après, vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Franchement, ces pantalons, c'est devenu des basiques à avoir. Donc, je vous les conseille grave. Donc ensuite, cette robe mi-longue, mais un de mes coups de cœur. Vraiment, je la veux depuis quelques mois, il faut que je me la prenne vraiment. Parce que ça fait 3 ou 3, voire même depuis qu'elle est sortie que je la veux. Elle est magnifique, elle est longue, la coupe elle est trop belle. Elle fait des belles formes, elle est franchement, non mais un coup de cœur pour cette robe.
Ça, avec l'été, avec une paire de McQueen, ça peut faire grave beau, mais aussi avec des talons. Enfin, ça peut faire grave beau avec des talons, comme avec une paire de baskets. Franchement, un coup de cœur pour cette robe. Le prix, en plus, je trouve que grave raisonnable pour une robe, 40 euros. Enfin, je trouve que c'est raisonnable. Et puis, j'ai pu l'avoir en vrai, donc je vous assure qu'elle est canon. Trop, trop belle, vraiment. Donc, ensuite, c'est un ensemble qui est magnifique, mais qui est vendu séparément sur Zara. Et franchement, la couleur comme ça, bleu clair, comme ça, vraiment, c'est un trop beau bleu. Donc, le pantalon, il est magnifique, comme vous pouvez voir. Franchement, la coupe, elle est parfaite. Ça l'était avec un beau haut blanc, enfin je vais vous montrer le blazer après, mais l'ensemble comme ça avec un beau haut blanc, franchement magnifique, avec une paire de talons, alors même une paire de sneakers, ça peut grave couper le style et franchement je kiffe, magnifique. Donc je vous donne la référence du pantalon, c'est 20-10-169, donc je vous la mets juste ici. Et pour le blazer, je vous le montre ici, franchement il est magnifique, vous pouvez pas dire contraire, franchement avec un beau haut blanc, l'était grave canon dans cet ensemble, donc la référence c'est 20-10-708. Du coup, voilà. Et franchement, cet ensemble, un coup de cœur, il est canonissime, vraiment. Donc ensuite, c'est un top bandana. Alors lui, il est en rupture, mais il est en coming soon de toutes les tailles. Vraiment bombardé, les filles, il est magnifique. Moi, dès qu'il est disponible, je le prends direct. Ça, avec un short en jean l'été, avec un pantalon, avec tout ce que vous voulez. C'est un basique à avoir, un bandeau blanc comme ça, noué derrière, dos nu et tout. Franchement, grave beau. C'est un basique à avoir, je vous mets la référence juste ici, c'est 81,97, 0,73. Franchement, il est magnifique pour le prix, grave raisonnable, grave pas cher pour un top. Franchement, grave magnifique les filles, donc bombardez s'il vous plaît. Donc, ensuite, crop top délavé, donc c'est une petite brassière grave simple et tout. Franchement, l'effet comme ça, je kiffe. C'est un petit basique à avoir. Et donc la référence, c'est 44,24, 330. Donc voilà, en plus pour le prix, grave raisonnable. Mais c'est un petit basique à avoir pour l'été, c'est grave simple. Enfin, ça fait l'affaire avec une petite paire d'Air Force, une petite paire de claquettes, franchement je kiffe. Et ensuite vous avez le short délavé qui va avec, le short plus la brassière, je trouve ça grave dégaine un peu pour l'été, je trouve ça grave stylé. Et la référence est 41,74, 332, donc voilà je vous la mets juste ici. Et franchement bah, je trouve que l'ensemble il est pas très cher et en plus bah, pour l'été c'est très bien d'avoir un ensemble comme ça. Du coup voilà. Ensuite, blouse avec taille cintrée, donc c'est pareil, elle commence à être en rupture de stock, je l'ai vue, j'ai kiffé dessus, il faut que je la commande absolument. Elle est magnifique pour l'été comme ça, matière comme ça, lin un peu, enfin bref, la matière je kiffe. La couleur elle est trop trop belle, le top il est magnifique, il peut faire aussi classe que franchement le top il est magnifique, vous pouvez faire une bête de tenue avec vraiment. Donc la référence c'est 72,00, 0,35, franchement il est magnifique. Et pour le prix, bah, c'est le prix d'une blouse, donc voilà. Mais il est canonissime aussi, enfin il est canonissime cette blouse. Ensuite cette robe veste, je la veux depuis super longtemps aussi, mais de toute façon il faut que je me passe une commande Zara là, vraiment ça fait trop longtemps que j'ai pas commandé. Donc notamment cette robe veste qui est magnifique, vous pouvez la mettre avec des talons, ce qui fera très classe. Mais vous pouvez également la mettre avec une paire de McQueen qui fait plus décontractée, mais qui fait tout aussi classe, mais en coupant le style un peu. Et franchement, je la trouve magnifique. Je l'ai vue en vrai, je l'ai vue porter sur quelqu'un, je la trouve magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Donc du coup, voilà, je vous la conseille grave parce qu'elle est trop, trop belle. Ça fait longtemps que je la veux et quand j'avais été en magasin, je voulais la prendre en S parce que je trouvais que ça faisait un peu plus décontracté, un peu plus large et tout. Elle est magnifique, vraiment, je vous la conseille grave cette robe. Pour le prix, bah écoutez, c'est un peu cher, mais je trouve que ça va. Il y a des fois des prix sont encore plus élevés, donc voilà. Ensuite, ce jean, lui aussi je le veux, genre vraiment, il est magnifique. Il est taille haute, comme ça en bas, un peu large au niveau des pieds et tout. Franchement, la coupe, il est magnifique. La déchirure au niveau du genou, franchement, je le trouve magnifique. Ça avec une paire de talons ou alors avec un haut et tout décontracté. Franchement, vous pouvez faire une tenue classe comme décontracté avec ce genre de jean aussi. Donc vraiment, pour l'été, quand t'es bronzé et tout, ça peut claquer vraiment. Du coup voilà, je vous donne la référence, c'est 60,45, 0,25. Du coup voilà, n'hésitez pas les filles, parce que franchement il est canon, je l'ai vu en vrai, il est vraiment très très beau. Donc ensuite cette chemise cache-cœur, je l'ai vu en magasin, franchement elle est magnifique. Après je sais pas si je me la prendrais parce que j'ai déjà des hauts comme celui-ci. Mais pour l'été avec un beau jean mom et tout, franchement il est grave canon ce haut. Avec une paire de talons, alors une paire de McQueen, une paire de baskets et tout, ça peut faire grave beau l'été. Donc franchement je vous le conseille parce qu'il est grave beau et pour les prix bah, ça vous fait une belle blouse pour l'été. Donc voilà. Ensuite, ce top en lin, il est grave classe, il est grave magnifique, il est super simple. Mais franchement, je kiffe les petits détails comme ça, comme il est plissé un peu sur le côté et tout. Il est magnifique, franchement magnifique ce petit top, magnifique. Vraiment trop trop beau, en plus matière lin, qu'est-ce que je kiffe l'été, la matière lin. Donc franchement, je vous le conseille, il est magnifique, vraiment il est magnifique. Donc la référence c'est 44,37, 0,92, donc voilà. Donc ensuite, ce kimono court avec ceinture, mais vraiment... il est magnifique, genre vraiment je bave devant. Vous pouvez le mettre en... Moi par contre je conseillerais de le prendre en taille ML. Il est en coming soon je crois actuellement. Donc n'hésitez pas à bombarder de coming soon, parce que moi j'attends vraiment qu'il soit disponible pour l'acheter.
Mais ça, vous le mettez genre avec un t-shirt en jean dessous. Alors, si vous êtes petite de taille, vous pouvez le mettre en tant que robe. Moi, je kifferais le mettre en tant que robe, mais vu que je suis grande, je pourrais jamais, je pense. Et franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Je l'ai vu de partout sur Insta porter. Un coup de cœur sur ce kimono, donc j'ai vraiment envie de l'acheter. Et pour finir, je vais vous montrer trois articles que je vais vous mettre ici, qui sont un peu de la même couleur tout ça, mais vraiment je kiffe cet ensemble, il est magnifique. Donc on va tout simplement commencer par le short imprimé, les détails je kiffe, l'été comme ça, grave beau avec la petite chemise, enfin que je vais vous montrer par la suite. Vous mettez un peu ça avec le bandana et tout, enfin grave stylé. Moi j'attends qu'une chose, c'est de l'acheter là, faut que je passe vraiment une commande sur Zara. Donc voilà, je vous mets la référence, c'est 30-98-183, mais magnifique les détails, l'été c'est fluide, quand il fait chaud, franchement c'est tout ce que j'aime. J'aime beaucoup ce short en tout cas, mais je vais vous montrer les articles juste après, ça tombera pas plus bas. Du coup voilà, je vous conseille vraiment les trois articles que je vais vous montrer, parce que c'est tout un ensemble et franchement l'été ça claque. Certes il est un peu cher l'ensemble, enfin il vous revient cher, mais un vrai coup de cœur pour cet ensemble. Donc ensuite je vous montre le pantalon fluide, magnifique, fluide, large, les détails franchement je kiffe, l'imprimé, donc voilà. Je vous mets la référence, c'est 29-40-183, un vrai coup de cœur pour ce pantalon, en plus il est taille haute, fluide, magnifique, il est fluide et tout, donc tout ce que j'aime. Et pour finir, donc c'est la chemise qui va avec le short et le pantalon, donc la référence c'est 30-68-276, et franchement la chemise elle est grave belle, elle est fluide, vous pouvez la faire tomber sur l'épaule, vous pouvez la mettre comme vous voulez, franchement grave beau avec le pantalon, l'ensemble, le bandana ou alors avec le short. Et le bandana, vous avez dû le voir sur Instagram parce qu'il tourne vraiment beaucoup en ce moment. Donc moi, je vous conseille grave parce qu'il est magnifique, en plus fluide comme ça pour l'été et les détails, j'adore. Du coup, voilà, franchement, j'ai trop aimé vous faire cette petite vidéo. Ça aura été une petite vidéo, mais j'avais envie de vous faire une petite sélection Zara. Elle aura été assez courte, je pense, la vidéo. Elle aura été assez vite. Mais voilà, une petite vidéo comme ça, ça peut être sympa, peut-être toutes les deux semaines, pourquoi pas vous faire une petite sélection, ou tous les mois, je sais pas, je verrai. De toute façon là je vais me faire un bon planning, je vais me faire toute une organisation sur mes vidéos, tout ça pour vous sortir plein de vidéos. En tout cas j'ai plein d'idées, je suis contente parce qu'en ce moment je suis beaucoup plus active sur YouTube. Donc je suis vraiment contente, même sur Instagram, j'essaie de faire plus de stories, d'être vraiment active avec vous et d'interagir avec vous du plus que je peux en tout cas. Du coup voilà, dites-moi en commentaire quel est l'article que vous avez préféré parmi ma sélection. Ou alors si vous avez passé une commande par la suite, si je vous ai donné des idées, des conseils, tout ça. Moi c'est ce que je veux en tout cas, vraiment vous donner plein d'idées, plein de conseils, j'aime trop. Et du coup voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits retours sur Instagram. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Moi en tout cas ça me fait trop plaisir. Là j'ai pris un réel plaisir à vous tourner cette vidéo. Aussi n'hésitez pas à me laisser vos suggestions pour de nouvelles vidéos, c'est toujours bon à prendre. Même si j'ai plein d'idées, enfin que je suis en train de me faire un bon panier pour les semaines à venir, tout ça. Mais bon, d'autres idées, c'est toujours bon à prendre et c'est toujours intéressant d'avoir plein d'idées de mes abonnés, tout ça. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça prend pas beaucoup de temps. Et si le genre de contenu que je propose vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche que je vous mets juste ici. C'est plus simple pour vous d'être averti de quand je poste une nouvelle vidéo, tout ça. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo.